Bonjour à vous, joueuses et joueurs du 21e siècle. J'espère que vous avez la patate. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu Evil Inside sur PlayStation 5, un jeu qui est sorti assez discrètement en version physique fin juin. Vous êtes prêts? Let's go! Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Future. Allez, c'est parti pour ce Evil Inside, qui apparemment est un jeu très très court. De ce que j'en ai vu, la durée de vie, c'est genre une heure, quoi. Donc c'est assez particulier. Oula, je vais baisser un petit peu le son. D'ailleurs, il fait que 1,2 giga. Je crois que c'est un des jeux les plus petits que j'ai vu sur PS5, hein. Et avant qu'on fasse plus petit, je pense qu'il va se passer du temps. En tout cas, surtout pour un jeu en boîte, hein. Donc c'est pas mal d'ailleurs que ça soit sorti en boîte, malgré tout, pour les collectionneurs comme moi. Mais ouais, c'est assez étonnant, on va dire. Alors, nous sommes sur un menu un peu étrange, qui ferait un peu peur. On a choisi entre nouvelle partie, continuer ou paramètres. Dans les paramètres, on peut choisir la langue. Donc changer la hauteur de la musique ou du son, et puis c'est tout. Donc on va laisser le français et on fait nouvelle partie. Alors pour une meilleure expérience, jouez avec un casque et éteignez les lumières. Bon bah moi j'ai les lumières un peu à fond, hein, mais par contre j'ai le casque. Donc on va dire, je vais avoir un 50% de peur. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Donc je crois que justement c'est la mère de notre personnage. Retrouvée morte dans un puits. Et elle aurait été tuée par son mari, notre père. Il y a des fautes d'orthographe. C'est plutôt joli. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir jouer. Oh! Il y avait une dame qui avait l'air un peu fatiguée là-haut. C'est quand que je joue? Ça y est. Alors, c'est fluide, comme d'habitude, hein. Sur PS5, très fluide. Et graphiquement, ça sent correct, ça sent pas mal. Donc, est-ce que je peux me baisser? Non. Interagir, là, pour le moment, je sais pas comment on peut faire. Un coffre. Ah. Faudra fixer ça un peu plus tard dans la soirée. Là, je sais pas comment on peut interagir pour le moment. Ou si je peux. Tiens, là, par contre, c'est fermé. Je peux pas courir. Là, il n'y a aucun bouton pour le moment. Je sais un peu tout. Ah. Ah, si L1, ça permet un petit peu de trotter. Voilà. Marche normale,
Et là, je trotte. Et je fais du cloche-pied, je sais pas. c'est bizarre. De belles photos et de belles peintures. Ah, c'est un peu sombre, hein. Et où la lumière? On peut pas. Non? Ah! Jackie? Ah. Jackie est chez le dentiste, apparemment. Ah, alors avec L2, je zoome. D'accord. Donc L1, je trotte. L2, je zoome. Oh, ça a l'air bon, ça, disons. Ça donne faim. C'est quoi, c'est un gratin, ça? C'est un beau gratin, ça, disons. Home sweet home, 3$. Ok. Bon, faudra quand même appeler Roger l'électricien, hein. Il faut qu'il nous change de 3 petites ampoules, je pense. Ok, ah bah merde. Parce que là c'est un peu con, hein, non? J'ai oublié de faire un truc. Ou fallait juste que j'écoute Jackie, peut-être. Ah, parce que j'ai pas l'impression de pouvoir faire autre chose. Hein. Allez, je trotte. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte, non? Non? Toujours pas. Ah, apparemment, il y a plein de jumpscares. On va voir. Ouais, sauf que là. Mais attends, c'est con là. Il n'y a pas une petite lampe torche quelque part là. Putain, je suis. Déjà, je sais pas quoi faire là. Il n'y a pas de porte là, bah non. Et je peux pas interagir là. Ce coffre là, il. C'est fermé. Bref, j'imagine qu'il faut peut-être certainement trouver une clé. Ah, mais putain, je suis con. Ça s'était ouvert là, j'avais pas fait gaffe. Heureusement qu'on n'est pas dans Resident Evil. Hein. Il y aurait 50 zombies qui m'ont attaqué dans le dos. Ah, bah voilà. Du billard. Est-ce que je peux jouer? Oh, je peux même pas jouer, c'est dommage. Il y a le journal. La machine à laver. J'ai pas l'impression qu'on puisse se baisser. Ah là, je peux faire quelque chose, là, non? Non, je peux même pas interagir avec ça. Là. Bon, pour le moment, il y a quand même peu d'interactions. Hein. Ouais. Attends, je suis dans le noir. Voilà. Tu vas voir qu'il y a un truc qui va me sauter la gueule, là, je le sens. Oh. Je vois rien, là. Ah. Ok. Ils m'ont remis au début. Ils m'ont remis au début. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé? C'est là où je pense qu'il va falloir être observateur. Ah! Il y a la télé maintenant. Par contre, la résolution n'est pas terrible, hein. Gros, gros problème de résolution à la télé. Donc il n'y a plus le talkie-walkie. Il y a toujours le gratin. Ça, c'est bien.
Donc là, la porte qui était fermée, qui s'est ouverte, elle est refermée. Est-ce que j'ai de nouveau dans les photos, là? Non, c'est toujours les mêmes photos. Et le coffre. Et est-ce que je peux toucher au coffre? Toujours pas. Ah, peut-être regarder l'heure, là. C'est 10h moins 20. Ah, d'ailleurs, l'heure, elle est un peu bizarre. Hein. Ah si, c'est un 7, ça. Le 7, ça, on dirait un 2 à l'envers. Bizarre, hein. Il y a peut-être un truc, hein. Ouais. Donc, je peux pas téléphoner. Parce que j'aurais bien appelé un ami, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut foutre, là? Il y a peu d'interactions, donc c'est dommage qu'on n'ait pas non plus de lampe. Il n'y a pas de lampe, hein. Bon, bah là, il n'y a rien à faire. Là, on est d'accord que je peux pas ouvrir la porte, là. Non. Je peux pas. Là, je peux pas interagir. Et le tableau, là. Qu'est-ce que je peux faire avec le tableau, mis à part le regarder? Un peu de musique, c'est pas possible non plus. Là, là on est d'accord, bah, c'est fermé. Bon, bah, j'en ai rien, hein, je vois que ça. Et là. Putain, c'est tellement sombre à des endroits que. Là, je peux le faire ou pas? Non? Ah, mais là, dis donc. J'avais pas fait gaffe, là. Elle y était, cette pièce. Ah, putain! Ah, les cons! Ah, pas mal. Effectivement, ça m'a fait sursauter. Ah, putain. Il m'a l'air bizarre, ce bébé. Hein. Non, non, je lui ferai pas un câlin, celui-ci. Ouais. Donc là, c'est pareil, hein, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, merci. De fait, la porte se rouvre. À la fin de la berceuse. Attends. Oui. Je vais dans le noir, là, on sait jamais, non? C'est lent, hein. C'est un jeu qui est lent. La porte est toujours fermée, là. Ah. Doum, 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 doum. Ah, téléphone, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. J'aurais pu faire une petite animation de décrocher quand même. Ok. Pas très bavard. Bah j'espère que c'est pas ma mère qui respire comme ça quand même. Ouais. Ça clignote. Donc là peut-être que je peux interagir. Ah! Un indice! Ça y est, ça va être... deuxième round. Oh, c'est mignon. Un petit train.
s'arrête. Il s'arrête. Putain, les cons. Ouais, ouais, y a pas le jumpscare. Je l'avais lu, ça. Ah, ça y est, je peux ouvrir le coffre. Ah, donc il y a un code. Il y a un code, alors est-ce que... Comment je fais? Alors attends, merde. Comment je fais pour voir mon inventaire? Mon inventaire, il est où? Palette tactile? Non. Reprendre. Merde. Comment je peux accéder à mon inventaire, là? Je peux pas? Ça, c'est couillon, ça. Ouais, j'ai tout fait, là. J'ai fait tous les boutons. Parce que je me rappelle plus, moi, de... Comment je pourrais savoir ce que je dois mettre, là? Non, peut-être que je vais trouver l'indice ailleurs. Donc là, oui, donc c'est fermé, ok. Bon, j'espère qu'on va avoir un peu plus de la baraque, parce que... Eh ouais, non. Oh putain, alors par contre, s'il fallait que je me rappelle du code... Enfin, du code. Des chiffres qu'il y avait tout à l'heure, là, sur le morceau de truc, là... Laisse tomber, quoi, je me rappelle pas. À moins que c'est l'heure, peut-être qu'il faut que je mette. C'est toujours 10h moins 1, alors... Est-ce qu'il faudrait mettre 10h moins 1? Comment je ferais 10h moins 1? Si je faisais 9h40. Merde, et mon œuf alors? Pourquoi je peux pas... Ah, oulala, c'est 9h. 9h40. Non, pas ça. Si je faisais 10h moins 20, genre... Ah, je pense que ça va marcher, ça. Genre 10h moins 20, comme ça. Non, bah non. Bah, je sais pas, moi. 18. Non, j'avoue, j'en sais strictement rien. Hein. Je ne sais pas. Alors, on va mettre 10. Et après 0,8. C'est con de faire ça. Hein. Bah non. Ah putain, c'est con. Et peut-être que le train là. Il y a peut-être un indice avec le train. Bon, on peut pas se baisser. Est-ce que le train, ça serait 3? Il est en 3 parties. C'est tiré par les cheveux. Hein. Et là, il y a une heure aussi, là. 9h59. Alors, il y en a un qui est en avance ou un autre qui est en retard. Hein. Et là... Tu peux pas me donner l'heure, toi, ou des chiffres? Il est pas beau, ce bébé, hein? Il est bizarre. Eh ben, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut mettre. Puis c'est bizarre que j'ai pas accès à mon inventaire. Là, bah non, là je pourrais rien faire. 9h59. J'ai 9h59 sur l'horloge. Ah, y a pas quelque chose là-haut, non? 9h59, alors que là, j'ai 10h moins 20.
Vas-y, je vais mettre 9h59. Non, toujours pas ça. Hein. Ah ouais, mais alors là, c'est relou, quoi. Parce que là, si je suis bloqué sur ce truc-là... Là, je peux pas... Non, c'est fermé, hein. Qu'est-ce que c'est que ce code? Putain! Où est-ce que je pourrais le trouver, ce code? Putain. Bibi. Comment je peux savoir? Enfin, mis à part l'heure. Mis à part l'heure, je vois pas ce que ça pourrait être, ce code. Ah! Oh putain, d'accord. Je pouvais ouvrir ça. Ok, génial. Comment je fais pour le tourner? Ah, comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, d'accord. Ok, ok. Alors. Attends. Putain, c'est roux, ouais. Bon, je vais regarder comme ça. Donc. Faut se faire chier. On va commencer par la maison. La maison, je sais pas. Oh putain, c'est chiant. Je déteste ces trucs là. C'est 2. La maison, c'est 2. Ok. Vous vous rappelez, hein, 2. Ensuite, la fleur. La fleur. C'est 9. 29. Ensuite, ça, c'est jaune ou c'est. Il y en a deux qui partent là, c'est chiant. Merde alors, comment je vais savoir? Alors 29, si je prends le truc jaune, c'est 5. 29, 5. Le soleil. On va voir. On va voir si 29, 51 ça marche. Ah voilà! 51, c'était ça. Et donc, j'ai une clé. Parfait. Et avec cette clé, je vais peut-être pouvoir ouvrir enfin la porte. Non. Non, pas cette porte-là en tout cas. Non. Non. C'est bizarre que je puisse pas ouvrir cette porte là. Il n'y a pas d'un, il n'y a pas d'inventaire en fait. C'est un peu con. Là je sais même pas. Ah bah voilà. Là il y avait une porte. Ah, ça y est. On va un peu changer d'endroit. À l'étage. Quelle belle peinture. Ah, et on redescend ici direct, c'est bizarre. Ah voilà, une autre partie du puzzle. Allez, partie 3 terminée. Je sais pas combien il y a de parties, mais je crois qu'il n'y en a pas des masses. Hein.
Puisque en gros, le jeu il dure moins d'une heure. Ah ouais, je suis un vampire. Ouais, le reflet, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible quand même. Hein. C'est-à-dire que le jeu est fluide. Et graphiquement, c'est. C'est correct, mais bon. Ça manque. Ça manque de petits détails, quoi. C'est sûr que le jeu, il a pas dû coûter très très cher à produire. Hein. Ah! Il n'y a plus l'heure, là. Là, j'ai des yeux à la place. We saw it. Il y a des yeux de partout. Il y a un petit mot. The gap in the wall. Ok. Mais encore. Ah bah c'est... L'heure est revenue. Et on est toujours à 10h moins 20. On va dire que le jeu, oui, effectivement, est quand même assez minimaliste. Sur pas mal de choses. C'est beaucoup de d'aller-retour dans le même secteur, dans une petite zone. Pour arriver à trouver l'interaction qui est cachée. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ouais, y a un truc sur lequel j'aurais dû interagir et je l'ai pas fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah putain, merde, il y a un passage encore que j'avais pas vu. C'est tellement sombre. Ah, j'ai un moustique. J'ai plus peur du moustique que du jeu. Bon, et là, alors, je fais quoi? Ah, il y a une porte, là? Non? Ah! L2. Oh! D'accord. Ah bah c'est bien, ça change un peu de décor. Mais encore une fois, voilà, c'est assez minimaliste. Hein. Ah, c'est quoi ça? Une fleur? Un champignon. Il y a des petits champignons. Je peux pas les ramasser, c'est dommage.
Alors là, sincèrement, je me croirais sur PS2 là. Parce que les textures là, putain, c'est moche quoi. Là, franchement, c'est moche. Alors après, ok, oui, c'est une zone humide. Ouais, c'est pas très beau, hein. Je préférais la maison. Hein. Là, le fameux puits. Allez, on va retourner dans la salle de billard. Voilà, ça finit toujours à la cave. Et là, il y a quelque chose à récupérer cette fois-ci ou pas? Voilà, oui. Alors, encore une pièce du puzzle. Allez, on va faire encore un round. Maman! Ah bah attendez, je vais t'ouvrir. Non, je peux pas. Parce que moi j'affronte moi les démons. Hein. Fais pas peur. Hein. Bon, bah je peux pas t'ouvrir. Bon, bah encore une fois, on sait pas ce qu'on doit foutre. Ouais, je pensais qu'on allait visiter un peu plus la maison. Attends, mais j'arrive. Je trotte vers toi, là. Tu crois que j'ai flippé, là? T'es dans la baignoire? Ah, attends. Coupable, dis donc. T'es dans la baignoire ou pas? Vas-y. Allez, vas-y, fais-moi peur. Ah, ça va. Je trouve que c'était moins flippant là pour le coup parce que il y avait la musique qui montait. Guilty. I'm not my father. Ça y est, on va descendre ou bien? Non, pas par là. C'est très sombre, hein. J'aurais peut-être dû augmenter la luminosité parce que... Des fois, je vois pas le passage vers le haut. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? Il y a peut-être une interaction dans la salle de bain. Ah non. Dis donc, il y a quand même pas mal de papier cul hein, quand même. Hein. Alors, je sais pas si il y a un message derrière. C'est pour ceux qui se chient dessus, peut-être. Mais non, je trouve que ça fait pas si peur que ça, hein, franchement. Ah, je peux voir un truc là, non? Bon. Ouais, c'est vraiment chercher à chaque fois une aiguille dans une botte de foin, j'ai l'impression. Mais une petite botte de foin. Il y a quelque chose là, non?
quelque chose par terre. Hein. C'est bizarre. Ah, je pouvais interagir avec quelque chose. Hein. Oh, un tiroir. Ah, une lampe. Ah, oh. Oh, ça c'est top ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça c'est plus sympa. Ouais, je trouve avec une petite lampe torche là, c'est plus cool. Où est-ce que mon linge est prêt? Non, elle n'est pas finie cette machine. Allez, ma petite pièce de puzzle. Bon, eh bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je sais même pas si j'ai pas fait les trois quarts du jeu. Ouais, je sais plus combien il y a de rounds. Mais voilà, le principe, voilà, c'est une sorte de jeu d'ambiance, ambiance horreur. Ah, j'avance encore un petit peu juste pour voir là. Avec la lampe, parce qu'avec la lampe, c'est quand même sympa. Mais voilà, c'est une petite partie de la maison. J'ai l'impression que... Ah ! Bon, là, effectivement, j'ai eu un petit peu peur. Ouais, c'est quand même des petites parties d'une maison, quoi. On n'est pas quand même dans un Resident Evil avec un grand manoir où on fouille, hein. Donc bon, ouais, c'est 25 euros pour, a priori, une petite heure de jeu, quoi. Voire un peu plus, si on est, comme moi, pas doué, et qu'on cherche pendant longtemps. Voilà, faut voir ça un petit peu comme un film interactif, quoi. Une sorte de film interactif. Je sais pas si... si je suis loin de la fin, et si c'est vraiment encore plus court que ce que je pensais. Mais bon, voilà, ça peut être sympa, peut-être en solde, hein. Parce que peut-être même à 25 euros, c'est peut-être trop cher. C'est possible. C'est possible. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !